Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc sur la démo de Cowboy Live Simulator partie 3. On arrive bientôt à la fin de la démo. Alors bien sûr, je ne me suis pas étendue. Alors, on a fait dans la partie 1, dans la partie 2, on a vu un petit peu le craft, tout ce qu'il y avait possible de, la possibilité de faire. Encore, je pense qu'il y en a encore à voir. Je ne suis pas allée trop m'aventurer un petit peu à droite, à gauche. Ça, ce sera à vous de le découvrir et de découvrir des lieux que je ne montrerai pas dans la démo. À vous de voir et de vous balader un peu pour dénicher des lieux. Mais on va continuer. Donc, on doit rejoindre Auster. Mais comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, on était arrivé dans la tribu indienne ici. D'accord. Et lui nous avait demandé de nous occuper au nord de sangliers apparemment qui se baladeraient en groupe. Donc, et il nous dit de faire très attention. Donc, on va y aller avec le cheval. En espérant que je ne meure pas. Alors, j'aurais pu miner, voyez ici, le cuivre aussi. Voilà, prendre mon temps, miner du cuivre, etc. Ramasser des plantes pour me faire les remèdes, comme on a pu le voir dans la partie 2, je crois. Ici, il y en a un. Je vais descendre. Je crois que je ne suis même pas équipée ici de mon fusil de chasse. 3. Voilà, je vais recharger. Chasse au sanglier. Ok. Je vais recharger. Sait-on jamais. Alors, on a de la viande. Ok. Je vais laisser mon cheval là. Et ici, je pourrais miner aussi, ramasser des plantes. 500 mètres. Je préfère y aller à pied qu'avec le cheval. Hein. Comme ça, on peut voir un petit peu mieux s'il y a des choses. Alors, ça fait quand même un peu loin, mais bon. Ah ouais, c'est loin quand même. Hein. Est-ce que je peux siffler mon cheval? Yes. Alors, je dois boire et manger. Je dois manger quelque chose. On va manger ça. Manger. Boire. Je suis à peu près bien. Donc, hop. Je l'ai rechargé, ouais. Donc on va y aller avec le cheval. Hein. J'avais pas l'impression que c'était aussi loin quand même. Donc, on va y aller. Ah oui, non, mais non, mais non, mais non. Je dis des bêtises. Là, c'est la quête. Si je regarde au niveau des quêtes. Donc, la quête que j'allais suivre, c'est celle-là, la quête secondaire. J'ai besoin d'équiper une arme. Il faut que ici, il faut que je rejoigne la zone des sangliers. C'est au nord. Donc non, non, c'était pas une bêtise de ma part. Alors, par contre, j'ai un petit peu peur pour le cheval. Donc, je vais le laisser là. Quoique. Au nord du camp. Est-ce que je peux suivre la quête? Non. Je peux pas. Je peux pas sélectionner la quête, c'est dommage. Ouais, je suis un petit peu. Je suis dans un camp abandonné en fait là.
J'ai peut-être fouillé. Vu que c'est pas limité dans le temps, j'ai peut-être trouvé des choses intéressantes. Alors, ici, on a quoi? Voilà, il n'y a rien de bien particulier. Est-ce que je peux passer au-dessus? Non. Alors, ici c'est des cailloux. Dans les tipis. Alors, si je m'accroupis et que je rentre. Bon, la pizza, je suis pas sûre que ça soit trop. Là, il n'y a rien. Enfin, je vois rien en tout cas. À explorer plus profondément, je pense. Bon, je reste accroupie. Hein. Alors là, je vais peut-être me lever. Il n'y a rien ici. Est-ce que ça serait pas accroché, ça? Je peux pas monter. Et là? Non, je peux pas. Bon, je pense qu'après, ils feront... un système de choisir les quêtes qu'on veut suivre, secondaires ou pas. On va aller voir dans celui-là s'il y a quelque chose. Hein. Bon, il n'y a rien ici. C'est quoi ça, des cordes? Ouais, c'est la corde des tiki. Ça, je peux pas le prendre. Hein. Il n'y a que deux tiki. Il y a des chevaux, par contre. C'est des choses que je peux pas apparemment apprivoiser. Bon. Au nord donc. Mais de leur campement. Donc à 600 mètres. White, on va y aller. Mais non, 600 mètres, c'est le... Je me perds avec le... retourner au camp des Indiens, si je dis pas de bêtises, on devrait pouvoir niveau de la map, je suis où? Je suis là. L'autre camp d'Indiens est là. Est-ce que je peux mettre un... Oui, je peux mettre un checkpoint sur la map, ce qui est assez cool. Alors, faut bien se positionner. Hein. Par contre, on ne le voit pas la map. Ah si. C'est pas... Les Indiens sont par là. À 200 mètres. J'ai peut-être y aller à pied. Je pense que c'est mieux. Je vais m'équiper de mon arme. Comme j'ai vu le sanglier tout à l'heure. Bon, j'avais des jumelles. Hein, mais je les ai pas prises. Hein. Oh. Ouh. Alors, de la viande. Et des pop, d'où l'utilité des jumelles hein, quand même hein, parce que là je pars recharger. Il y en a un autre là.
J'espère que je vais pas me faire attaquer le temps que je charge. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? S'il me fonce dessus, je vais vite le savoir. Je peux sauter là. Sans me bloquer. J'ai pas l'impression. Ça me dit pas combien de sangliers je dois. Lui ramener. Ouais, alors je reviens là, mais là j'ai pas l'impression que je puisse monter. Non, je peux pas passer. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Je pense pas. Hein. À moins que ça repop. Là j'aurais pu miner aussi. Miner là. Pour ramener plus de cuir, pour débloquer plus de craft. Mais ça, je vous laisserai vous un petit peu plus explorer et découvrir ça si vous prenez la démo sur Steam, que je vous conseille, je vous le redis. Franchement, ça vaut le coup. Écoutez, je pense qu'on a ce qu'il faut. Donc, on va retourner voir nos amis les Indiens, à moins qu'un sanglier me pop devant la tête. Hein. Là, j'en vois pas d'autres. Ah, le bruit des pas dans la gadoue, c'est bien fait. Hein. C'est très, très bien fait. S'il n'y en aurait pas par hasard. Il va me foncer dessus, j'ai rien y voir. Bon, apparemment, non. Je dis bien apparemment. Par contre, je commence à avoir super soif. Allez, on va ranger notre fusil. Bien que ce soit pas très conseillé. On va aller parler à notre Indien. You are back with loot. Please take these animal skins as a gift. Ok, donc en récompense, on a eu ce coup-ci des peaux d'animaux. On va pouvoir se faire des vêtements, je pense, qui nous donneront un peu plus d'armure. On va fouiller quand même leur tente, hein, c'est pas que. Alors, on a du poulet. Du maïs. Je reste accroupi, histoire de. Toi, t'es un marchand, tu vends quoi? Lui aussi, il vend des graines. Donc, et lui, je ne peux pas lui. Attends, attends, attends. Tu vas trop vite, Istaga. We will be known forever by the drugs we leave. Ok. D'accord. Non, lui, il veut pas parler. Lui, dans son délire. Alors, ici. Est-ce qu'il y aurait des choses? Là, il y a des chapeaux. Il n'y a pas les scalps. Hein. C'est pas les Indiens qui portent ça. Alors, on va s'accroupir. Du maïs. Hein. Donc, faut bien fouiner partout. Hein. Bien, bien fouiner partout. Ici, rien. Là non plus. Ici, non. Voilà, j'ai à manger. Là.
Et là, je vais boire parce que je suis à la limite là de ma barre. Et je vais me relever parce qu'à couper le porc. Et je vais manger un bout peut-être, hein, puisque là j'ai ramené du poulet. Donc hop, on va le manger. Puis on va peut-être manger maïs. L'autre maïs. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Ok. Il n'y aurait rien d'autre à leur chou ravé. Non. On va faire le tour. Pomme. Et chapeau. Non scalp. Je suis allée là, oui. Oui, oui, oui. S'il n'y a rien. Ouais, rien. Je pense qu'on a tout pris. On peut pas être content, lui, s'il s'aperçoit. On va avoir sûrement, hein, quand le jeu sera fini, on aura sûrement un pépin comme ça si on vole. Je peux pas utiliser leur feu de camp, par contre. Hein. À voler des trucs comme ça, on va sûrement se faire taper sur les doigts ou avoir peut-être des attaques, je sais pas. À voir ce que le jeu va être exactement quand il va sortir. Allez. Hop, on y va. Donc, on doit aller parler à un marchand. Allez, on y part. Avec notre white, notre cheval. Par où je vais passer? C'est vrai que c'est un chemin assez tortueux, là. Voilà, je ne sais jamais où est la sortie. J'arrive à me perdre et à coincer le cheval. Tous les arbres là gênent un petit peu la vue. Par moment c'est pas si évident que ça d'y voir. J'ai baissé un petit peu le son de la musique, hein, mais vraiment le son de la guitare électrique derrière, ça va tellement bien. Ça, c'est le vendeur. Ah, mon cheval n'a plus de stamina, j'ai trop fait courir. Donc on sait que chez les Indiens, on peut miner. On n'a pas exploré toute la carte, hein. Il doit y avoir d'autres bâtiments abandonnés, d'autres choses à fouiner, à fouiller, à visiter. Là, on est où? Lui, on n'a pas fouillé sa baraque, on va la fouiller. Hein. Alors, c'est Clayton Spark. Welcome to our stable. We have the best horses in the area. Which one do you want to buy? Ben aucun, pour la simple et bonne raison que ils sont très chers tes chevaux. Donc on a Barney à 1000$, Roscoe 1200, Wilbert 1500, Buddy 1800 et Chester 2000. Donc ben quittez, c'est gentil mais je ne peux pas t'en acheter. Je n'ai vraiment pas les moyens financiers de t'acheter tes chevaux. Par contre, fouiller ta baraque, ton écurie, le reste, ça m'intéresse. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas d'eau. Déjà, tu entretiens très très mal tes chevaux. Parce que j'aurais bien voulu picoler en même temps. La fille qui est habituée à... Je peux pas monter là.
L'autre fois j'ai pu, mais là apparemment. Là, y a rien. On va aller voir dans sa baraque. Hein. On va regarder là aussi, on n'a pas regardé. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose ici. Non, mais c'est trop cool, je rentre chez les gens, je me sers. Vous pouvez accomplir des quêtes à partir de prospectus et recevoir une récompense. D'accord, on va le faire après. On va fouiner chez le monsieur. Un peu de texture, je pense. Il n'y a pas grand chose, hein, lui. Hein. Sa maison est tout en rez-de-chaussée. Non, il n'y a rien piqué. Je suis... Ah, si, un étage, pas vu. Hop. Ah, mais il a que dalle. Il n'a même pas de lit, il n'a rien. En fait, ça doit être le style de maison qu'on peut se construire, je pense. Hein. Mais il nous manque les portes comme ça. Ok. Allez voir la tête. Y aurait-il des choses derrière hein? Est-ce que je peux... Curiosité? Non, je peux pas. Je voulais voir si je pouvais casser les meubles. Mais non, je ne peux pas. Mais là, je peux boire, par contre. Ah ben, il y a une bouteille, là. Non? On va boire parce que... Ah, par contre, ça me remonte pas... Non, là, ça marche pas. Ok. Bon, on habite dans sa grange, il n'y a rien de folichon. Ok. Donc lire le prospectus. Et donc on arrive presque à la fin de la démo là. Alors, on peut le tourner. Il y a des numéros derrière. Allez savoir ce que ça veut dire. Et si on lit. West Copeland, un meurtrier, patati patata, a été vu dans le canyon. Entre information et attention, il est armé. Il a le meilleur fusil Winchester du régiment. D'accord. Bon, je pense que si on fait ça, on va avoir un avis de recherche. Le plus recherché, rejoignez la zone du Rangers. Allons trouver ce Rangers. Oui, parce qu'on est fermier, mais on a la fois shérif. Bien sûr, c'est connu. Alors, on est un fermier multitâche. Alors. À 200 mètres. J'ai envie de laisser White là et plutôt m'armer de mon fusil. Est-ce qu'il y aurait des choses ici? Je ne sais pas. 90 mètres. Trace de vie ici. 60 mètres. Je vais recharger. Neuf. C'est lui. Prenez votre arme. Il est où? J'ai mon arme.
Ah non, foiré. Ok. J'ai pris des dégâts. Ah oui, il m'a fait bien mal. Hein. Il m'a fait bien mal. Donc on va lui piquer ses munitions. Son alcool. Hein. Il m'a fait bien mal. Hein. Il m'a mis un bon shoot quand même. On va manger la pomme. Évidemment, j'ai peut-être un pansement. Me soigner. Ça m'a guéri. Donc très bien. Par contre, l'alcool, ça veut pas. Est-ce que je peux ouvrir ça? Oui. Et l'alcool à ce moment-là? Non. Bah sur moi alors. Même pas. Écoutez, on va le boire, on va être un peu pété. Non, même pas. Je peux pas le boire. Oh, je vais pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? On va boire ça. Je sais pas si c'est alcoolisé. Si je suis pété, on verra. Non, l'alcool, apparemment, il veut pas. Déposer? Non. Pourtant, j'ai fait de la place. Hein. Et ça, c'est quoi? Ça, je peux le revendre pour me faire des sous. Ok. Ici, le flingue, je peux pas le prendre. Je peux pas ramasser la lanterne, hein, par contre. Ça pourra servir. Faut que j'aille récupérer mon cheval. Donc j'ai tué le gars, mais il m'avait fait mal quand même. Hein. Il a tiré deux coups, j'avais plus que la moitié de ma vie. Tout va bien. Hop. Hop, une Winchester, ça devait être à lui. Ah non, il l'avait sur lui. Ici, il n'y a rien. Franchement, on est un fermier superbe. Non seulement on tue les méchants, mais en plus... Hein. Ici, est-ce qu'il y aurait quelque chose? On peut pas aller plus loin. Donc, je pense qu'après, ici, on pourra miner. Pour l'instant... Alors, on va se mettre en 1, sinon je ne peux pas monter sur le cheval. D'accord, en 1, c'est le... Ben, en 6, alors. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai écarté le danger, laissons la responsabilité au shérif. Ok. Donc, on va revoir le shérif du départ. Celui qui n'était pas très très aimable avec nous. Est-ce que je peux passer par là sans que mon... Ah, un campement là, c'est quoi? Est-ce qu'il y aurait des choses? Ah, il y a un macabre. D'accord, on va aller voir ça. Comme quoi, vous voyez, il y a énormément à explorer. Si je devais me balader sur toute la map, c'est un let's play de 30 épisodes qu'il me faudrait. C'est toi qui as fait ce bruit-là? Une torche? D'accord. Alors, je suppose que c'est celui que j'ai... jumelles. Je pourrais les revendre, ça va me faire des sous. Je pense que c'est celui que j'ai qui était recherché là, qui les a butés. Je suppose, je sais pas. En tout cas, apparemment, il va y avoir des combats de. Va-t-on vivre des combats réels hein. Ouais, plus rien. Les messieurs, je crois que je les ai bien fouillés. Lui, il a rien dans la main. Quand ta tenue, si j'avais pu te l'appliquer, ça m'arrangerait parce que alors nous, on ressemble à rien. Alors, ici, non. Non. Non, là, on a fait le tour, je crois. Donc, je vais me relever parce que... Hop. Et donc, on doit aller parler au shérif. Alors, ça non plus, je l'avais pas vu quand j'avais testé la démo. Donc, comme quoi,
Peut-être qu'en se baladant comme ça, on trouve des trucs un peu hallucinants. Mais je vous le redis, profitez de la démo pour aller explorer tout ça, tant qu'elle est disponible. Et, est-ce qu'il va sauter ou est-ce qu'il va tomber? Oup là, il saute, yes. On va le laisser là, sur le chemin du retour. Je vais aller à pied voir le shérif. Rebonjour, Walter Finlay. Here's a reward for your effort. Thank you. Ok. Enquêter sur le son. J'ai entendu dire qu'un train inconnu arrivait. Alors, on a reçu de l'argent. Alors, je vous le dis cash, c'est la fin de la démo, donc ce sera qu'une quatrième partie. Enfin, on aura quand même pas mal vu. On pourrait se balader partout parce qu'il y a des maisons. On n'est pas allé au fin fond là-bas voir ce qui se passait. On n'est pas allé se balader. Là, si je vais à la dernière quête, là, celle qui vient de me donner, c'est la fin, mais la fin de la démo. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal à faire. On ne sait pas promener partout. Hein. On peut se balader un petit peu. Je ne sais pas combien j'en suis une vidéo. On pourrait aller se balader. Je ne sais pas. Où c'est qu'on n'est pas allé un petit peu plus par là-bas, peut-être. Si White veut bien y aller. Pardon, excusez-moi. Voir par là-bas, peut-être. En suivant la voie ferrée. Je ne sais pas s'il y a une fin de map là pour l'instant dans la démo. J'ai des jumelles. Non, j'ai pas de jumelles avec moi. C'était une lampe torche que j'avais. Si j'ai une jumelle. Alors attendez. Hop. Si j'échange avec toi. Voilà. Est-ce que je peux voir à cheval? Est-ce que je peux? Non. Faut que je descende du cheval. C'est dommage ça. Attendez, hop, je descends. Pardon. Si je prends mes jumelles. Ah oui, tenir. Non, si. Ah, c'est peut-être chez moi là-bas. Hein. S'il n'y a rien. On va voir là-bas. Excusez-moi, j'ai la gorge qui picote. Ah, j'ai une torche, j'avais pas vu. Ah, une torche. Donc évidemment, je ne peux pas... si, je peux avec la... Non, donc je monte sans article dans les mains. Même les jumelles, je peux pas. C'est bien dommage. Qu'on puisse pas... être à cheval et en même temps... On va se prendre le train de plein fouet. On n'est vraiment pas limité dans la map. Hein. Enfin, je pense pas. Voilà. Est-ce que si je vais là... Je pars à l'opposé vraiment de la quête finale. Hein. Est-ce que je peux passer en sautant? Non. Donc là, vous voyez, là, ça continue. On va pouvoir, dans le jeu finalisé, on va quand même avoir une grande map. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Peut-être tomber sur des choses. Elle a regardé. Il y a quoi ici? Comme quoi, il y a plein de choses à faire dans ce jeu. Ne serait-ce qu'en exploration, il y a énormément de choses à faire. De façon à se faire de l'argent. Bon, après, je dis pas que partout il y a des choses à prendre. Mais bon. Alors ici, il y a quoi? Regardez tout ça, à manger du thon.
à boire des clopes. Je devais être chez un pêcheur, je pense, ici. Donc là, ce ne sont pas des lieux qui sont indiqués sur la map. Hein. C'est à vous vraiment de vous promener. Des bandages. À une graine de carotte. Donc rien qu'avec la démo, vous pourriez jouer pendant un petit moment. Là, il y a des de l'alcool, il y a des munitions, un gun, un seau. Vous voyez, je pourrais même continuer en faisant le petit champ, etc. Planter mes carottes. Continuer à jouer à la démo. Tant que vous n'allez pas à cette quête où on vous dit nouveau départ, enquêter sur le son. Tant que vous ne la validez pas, vous pouvez vous balader, continuer à vous amuser avec la démo. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a énormément à faire. Donc ici, hop, on a tout cliqué, je pense. Après, c'est très très joli en tout cas. Hein. C'est un campement qu'il y aura en bas là. J'ai du mal à le lâcher. Hein. Ah, vous avez soif, vous devez boire quelque chose. Je vais le faire. Bon, je crois que c'est un campement, mais non. Alors, inventaire, boire. Du gin. Je vais être un peu pété, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Là, là, tout va bien, je vais bien. Ça dure pas très longtemps l'effet, hein, mais bon, peut-être que ça sera corrigé. Excusez-moi. On se balade un petit peu avant d'aller à la quête finale. Regardez ici, il y a encore quelque chose. Je pense pas qu'il y ait des trucs à prendre. Je suis plus en train d'aller dans le centre des terres. Le jeu est très très beau. Vous allez dire que je radote, mais c'est la vérité quoi. Et ce n'est qu'une démo, le jeu n'est pas sorti encore. Hein. Je parle pas d'alpha, je parle pas de bêta, je parle pas de tout ça. Un chariot renversé. Il ne faudrait pas que je me fasse attaquer par des animaux parce qu'on serait mal. Donc voilà, ben écoutez, on va se rendre à tranquillou. Tranquillou façon de parler. Là, je ne sais pas du tout en passant par là qu'est-ce qui m'attend. Il y a comme une mine là-bas. Ça m'intrigue. J'ai vraiment du mal à lâcher la démo. Hein. C'est pour vous dire quand même. Hein. Voilà, il y a une mine où on peut miner. Avec un... une espèce de pont. Bah vraiment, niveau open world, il y a de quoi faire, même qu'avec la démo. Donc, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Franchement. Allez, on se rend direction... ben, la quête... ben, le dernier endroit de la démo. Vous voyez, j'aurais fait 4 parties d'à peu près une demi-heure, 45 minutes, voire peut-être même une heure, je ne sais pas. J'ai pas regardé encore. Donc, je vais vous poster tout ça sur YouTube. Je vous les posterai sûrement d'affilée, une par jour.
Là, si je vais par là. C'est là qu'on m'avait dit qu'il y avait des forêts dangereuses. Voyons voir sur la map, je suis où. Là, je me vois même pas sur la carte. Ah, je suis là carrément. Hein. Là, il y a un truc. Écoutez, je ne sais pas. Le cheval, il veut pas y aller. Non, t'es pas bloqué. Non, t'es pas bloqué. Il y a un arbre qui le gênait ou un truc. Si je vais là. Non, allez. Je referai de mon côté la démo parce que franchement, c'est... Il est tellement agréable ce jeu. Bon, je vais essayer de retrouver la route. Mais là. Ah. Une guitare encore. Alors, je peux la prendre ce coup-ci? Mais non, t'emballe pas. En fait, je crois qu'on peut que s'asseoir, hein, voilà, et jouer. Hein. Je trouve ça sympa. Bon, écoutez, on va se rendre au point final. J'espère en tout cas que le jeu vous aura plu. En tout cas, moi, il me plaît énormément. Pas passé, c'est un petit peu tortueux là pour lui, hein, le pauvre. Hop, qu'est-ce qu'il y a qui te gêne là? Tu veux pas passer là? Ouais. Si tu veux, ici il n'y a rien. Allez, plus que 300 mètres. J'attends donc vos retours en commentaire et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Vos commentaires, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démo, du gameplay? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que le jeu. Vous intéresse, il y a énormément de possibilités. On n'est pas encore allé dans les vallées dangereuses, etc. Et je vous laisse apprécier la fin de la démo. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine découverte ou la suite des Let's Play. Ma ferme est attaquée, je dois sauter sur le pont. Ma ferme est attaquée, ah bon? Merci beaucoup d'avoir joué à notre démo, votre avis est important pour nous. Ben, je vais faire remonter qu'en tout cas c'est super sympa. Ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai fait péter le pont, mais là le pont n'est plus pété. Donc évidemment, là il n'y a plus de quatre, il n'y a plus rien. Vous pouvez vous continuer à vous balader, à jouer. Il n'y a aucun problème. Alors, ma ferme était attaquée. Alors, je serais peut-être un petit peu curieuse. Bon, je vais pas arriver à voir. Est-ce que j'ai toujours ma ferme qui est là? Mon ranch, ouais. Retourner à mon ranch, voir pourquoi on me dit qu'il était attaqué. On va aller voir ça. Puis on en restera là. Hein. Ce coup-ci, c'est sûr. Hop. Donc là, ce n'est pas du tout dans la démo. Hein. C'est moi, par curiosité, ça m'a dit que mon truc est attaqué alors qu'il n'y a rien dedans. Ma ferme est attaquée. Je dois faire sauter le pont. Pourquoi pas? Enfin, pour un gentil fermier, je trouve que non seulement
on tue les méchants, mais en plus on fait sauter des ponts. On n'est peut-être pas juste fermé. Hein. On cache notre jeu peut-être. Le jeu nous dira ça. Alors on arrive à notre ferme. Hein. La ferme n'est pas du tout attaquée. Bon, je vais descendre ici. Je vais boire un coup. Je vais me mettre bien à fond partout. Histoire de ne pas avoir looté tout ça pour rien. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on peut se faire des vêtements, des choses comme ça? Je sais pas, bon, vous me direz, allez, laisse tomber, c'est la fin de la démo. On va manger ça. Là, on est pas mal. Écoutez, je vois pas que ma ferme ait été attaquée. Les chevaux sont là, ma poule par contre, elle n'est pas là. On ne sait pas où elle est passée. Si je fais Z, je pense pas que... Non, ma poule, comme je vous dis, ça devait pas être instauré, c'est pas instauré encore. Donc on a vu un petit peu tout ça, on peut se crafter des choses, on peut arranger donc ici pour installer nos chevaux, etc. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ceci est clôture la démo de Cowboy Life Simulator. N'hésitez pas en tout cas à me dire en retour ce que vous en avez pensé, si vous le trouvez bien. En tout cas, faites-moi des retours si vous jouez à la démo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez découvert d'autres lieux que moi j'ai pas découvert, ça peut être très sympa. Et puis plein de bisous et à très vite pour une prochaine démo ou pour un prochain épisode des Let's Play qu'on retrouve sur la chaîne YouTube. Bye bye.